patron. Au nom de sa sainteté. Béni soit la lumière. Et bonjour à tous, cette cinématique est juste incroyable, on va l'analyser juste maintenant et honnêtement, pour commencer, c'est honnête, enfin j'avoue, alors que c'est peut-être la quatrième, cinquième fois que je la regarde, je suis toujours aussi estomaqué par le travail qui est réalisé. On a vraiment l'impression que c'est un film, c'est un court-métrage presque, et que chaque plan, je dis bien chaque plan sur lequel on pourrait s'arrêter, représente tout simplement quelque chose une photographie qui est absolument incroyable. On pourrait avoir un fond d'écran avec n'importe quel moment. C'est juste prodigieux. C'est juste prodigieux. C'est vraiment exceptionnel. Et du coup, je vais tâcher d'analyser tout ça, mais c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, cette cinématique, elle est impressionnante. Elle me coupe le souffle. En attendant, donc, pour le contexte, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que il y a pas mal de choses à dire. Et d'un point de vue contexte, je ne peux pas vous affirmer à coup sûr à quel moment on est. En tout cas, ce que je peux vous donner, c'est déjà les protagonistes. Les protagonistes, nous avons évidemment notre cher Inarius qui fait son entrée en scène, j'ai envie de dire. Inarius qui, au final, a de la gueule. J'avais parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, je sais plus si sur YouTube j'en avais parlé, mais le nouveau visuel d'Inarius est vraiment exceptionnel. Et malheureusement, je trouve que c'est le petit bémol de la cinématique. Voilà, on va commencer par le point faible de la cinématique. C'est juste que, en fait, à aucun moment on a un... Même à la fin, quand on voit Inarius sur un grand angle, l'angle n'est pas suffisant. L'angle n'est pas suffisant pour le voir... entièrement. Du coup, on ne se rend pas compte de la qualité de son armure, parce que le design de l'armure est incroyable, et surtout, en fait, on voit, alors c'est peut-être aussi parce que c'est pas tout à fait celui qu'on aura, mais au final, l'armure est vraiment très intéressante, parce que c'est un ange, c'est un archange, même de ce que, qui semblerait être réindiqué, on réaffirme son statut d'archange. Et au final, Inarius, du coup, a une armure très particulière qui fait très Néphalem, en fait. Qui fait vraiment, vraiment Néphalem. Je le rappelle, Inarius, c'est le père de l'humanité. Et nous avons, bien sûr, Lilith, comme il le dit. Lilith qui est la mère de l'humanité. Ensemble, ils ont été les premiers, avec leurs partisans, à créer l'humanité avec les Néphalem. Je vous laisse, bien sûr, aller voir les vidéos de la playlist là-dessus. Sachant qu'il y a une vidéo de Lilith qui arrive. Mais donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une période où, justement, Inarius et Lilith sont en conflit. Et des périodes où Inarius et Lilith sont en conflit, il n'y en a pas énormément. On peut en compter trois. Premièrement, potentiellement, le contexte de cette cinématique pourrait être du Diablo 4, éventuellement. Puisque Inarius, quelque chose d'assez important, Inarius rappelle qu'il est retourné en enfer pour la chercher. Et c'est pas à tout moment, parce que là c'est pas des anges, donc c'est pas pendant l'éternel conflit, il n'est pas avec des anges, on est en enfer, en tout cas ça semble l'indiquer, potentiellement ça peut être une petite poche on va dire de l'enfer ou autre,
Après, peut-être que ça pourrait être une figure de style. Évidemment, il faut peut-être parfois prendre un peu de recul par rapport aux mots qui sont dits, mais c'est vrai que ça fait quand même vachement les enfers. Et les êtres qui combattent aux côtés d'Inarius sont des êtres humains et pas des anges. Et donc ça, c'est assez important parce que ça enlève instantanément la période de l'éternel conflit. Donc il y a trois grandes périodes où Inarius et Lilith se sont affrontés avec l'humanité en toile de fond. On a la création, enfin l'après-création de sanctuaires. Donc le premier affrontement, c'est quand Lilith essaye de récupérer, enfin c'est même pas Lilith, c'est Lilith prend soin de l'humanité. Elle veut utiliser le pouvoir de l'humanité contre les enfers. Et Inarius, lui, il a peur de ce que représente l'humanité et il va tuer une partie de, enfin il va nerf et il va tuer une partie de ses enfants, ce qui va rendre en folie Lilith et il va y avoir conflit entre les deux. Mais c'est pas vraiment une bataille rangée, là on est presque plus dans du Warcraft en fait, hein. C'est assez hallucinant, je vous reparlerai après, mais on est sur une bataille rangée, et des batailles rangées on en a dans l'univers de Diablo, mais c'est pas le cadre du jeu en fait, hein, les batailles rangées. Donc c'est pour le coup des batailles rangées comme ça. Alors bien sûr on n'a pas énormément d'éléments sur la période du bannissement de Lilith, hein, puisque le premier conflit Inarius-Lilith va conduire au premier bannissement de Lilith, mais bataille rangée potentiellement, mais c'est quand même pas vraiment le cadre, on est plutôt sur des folies meurtrières de chaque côté, donc c'est pas vraiment des batailles rangées. Il pourrait tout à fait justement développer, oui, ça manque de détails, donc développer là-dessus. Deuxième grand conflit entre Inarius et Lilith, c'est la guerre du péché, avec Lilith qui sort de son bannissement, qui arrive avec le temps à sortir de son bannissement, et à ce moment-là, eh bien, il y a un énorme conflit sur Sanctuaire, avec d'un côté Inarius et l'Église de la Lumière, face au temple de la Triune, donc les trois démons majeurs, Mephisto, Diablo et Baal, qui ont leur sectateur sur Sanctuaire, et donc grosse, grosse, grosse baston. Et à cette époque, eh bien, il y a Lilith qui arrive, qui commence à récupérer aussi une partie des Néphalèmes, et on sait que eh bien Inarius va intervenir et va finalement procéder au bannissement de Lilith. On a à ce moment-là, eh bien, l'Église de la Lumière, hein, qui suit Inarius. Donc je pense que vous commencez à comprendre peut-être quel contexte pourrait être le bon. Et enfin, l'autre épisode possible, d'un point de vue chronologique, c'est carrément bah là une cinématique qui nous spoil allègrement Diablo 4, avec pourquoi pas un Inarius qui serait libéré, qui dirigerait l'humanité contre Lilith et les démons. Pourquoi cette troisième opportunité me semble être complètement hors de propos ici? Je pense que c'est un flashback, cette cinématique. Pourquoi? Parce que l'armure d'Inarius est beaucoup trop propre et on a vu le visuel d'Inarius que j'avais justement évoqué en stream, évoqué en stream et sur Twitter. C'est l'armure est vraiment très 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 particulière et son modèle in-game est enfin, son modèle est pas comme ça quoi. Donc enfin c'est ça mais avec une armure avec notamment son sa tunique vraiment assez défoncée, etc. Donc je pense que c'est un flashback. Et si c'était pas un flashback, si c'est bien du Diablo 4, ce serait quelque chose qui se passerait vers l'acte 3, l'acte 4, donc vers la fin de Diablo 4. Donc ce serait un spoiler absolument abominable. Je ne pense pas que Blizzard fasse ça pour faire monter la tension. Donc je pense que c'est un flashback. Maintenant, deux grandes périodes, soit le premier bannissement de Lilith, soit le deuxième bannissement de Lilith. Lequel c'est? Parce que premier bannissement de Lilith, potentiellement, on pourrait dire qu'en fait, Inarius avait avec lui les Néphalèmes, et qu'en fait, du coup, les humains qu'on voit, ce seraient des Néphalèmes, mais des Néphalèmes nerfés suite à l'intervention d'Inarius, donc potentiellement les premières générations de Néphalèmes, pas leurs enfants directs, pas Ratma, etc., mais les Néphalèmes post-nerf d'Inarius, même si ça fait partie, on va dire, des anciens, donc la première génération de Néphalèmes. J'ai fait une vidéo sur les Néphalèmes si vous avez un petit peu de mal avec le terme et avec justement si c'est pas trop clair dans votre esprit. De l'autre côté, la guerre du péché, bon bah c'est la deuxième grande génération de Néphalèmes, mais là c'est pas des Néphalèmes, ce serait tout simplement les humains normaux en fait, hein, avec l'Église de la Lumière. Pour ce qui est du logo, j'arrive pas forcément à le reconnaître parce que c'est vrai que souvent on a des logos qui sont un peu retravaillés, etc. Je sais pas si c'est un logo retravaillé ou si ça m'échappe, mais si c'est de toute façon si c'est de l'ancienne époque. Donc désolé, j'arrive pas à. Au départ, par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un petit triangle. Il y a un petit triangle dedans, et du coup, ce que j'aime beaucoup avec cette cinématique, c'est qu'elle nous montre un.
Elle commence. Là, je vais direct réattaquer. Donc, maintenant qu'on a fait le contexte, le cadre, il y a de grandes chances que ce soit la guerre du péché. Sinon, c'est l'ancienne période avec le. Donc, c'est l'un des deux bannissements de Lilith. Hein. Donc, globalement, pour moi, c'est l'un des deux bannissements de Lilith. Soit le premier, soit le deuxième. Et ce qui est très intéressant maintenant, si on va commencer vraiment à analyser la cinématique, parce que en soi, elle apporte pas des choses exceptionnelles, mais elle nous montre encore une qualité graphique. La première cinématique du Diablo 4 était hallucinante. Et là, encore une fois, c'est des tableaux, quoi. C'est vraiment, c'est des tableaux à chaque plan. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le retournement. On joue avec nos codes, on joue avec nos connaissances pour essayer de nous indiquer quelque chose. Puisque au début, on voit, voilà, la couleur. Là, c'est les couleurs de Diablo, ça, hein. Noir et rouge, c'est les couleurs de Diablo. Une humaine qui marche sur le feu et qui n'a pas de problème au niveau des. Enfin, qui se brûle les pieds, mais elle n'a pas de douleur. Instantanément, moi, dans ma tête, je sais pas pour vous, mais moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, ok, c'est des sectateurs, on a une couleur extrêmement tamisée, etc. Je me suis dit, ok, en plus, avec tout le battage médiatique qu'il y a eu sur Diablo 4, je me suis dit, bon, ok, c'est des sectateurs de Lilith, d'accord. Là, le triangle au niveau du blason central, j'étais en train d'essayer d'analyser. Je fais, c'est quoi ça? C'est le truc de, c'est le symbole de la triune. C'est quoi ça? Parce que le triangle, c'est très souvent la triune. Le triangle, c'est généralement les trois seigneurs démons. Donc je me suis dit, bon, ok, ça doit être un truc démoniaque, machin. Et au final, on se dit sectateur démoniaque. Et pas du tout. Là, on voit, on est dans les enfers, etc. Et à ce moment-là, au moment où on se dit, ah ok, où est-ce que ça va? Et là, la lumière arrive dans les enfers, donc l'endroit où il n'y a aucune lumière, on va dire, un endroit extrêmement sombre. Et le jeu de lumière pour nous montrer l'éternel conflit en images est incroyable. Les anges contre les démons, la lumière contre les ténèbres. On n'a jamais vu ça aussi bien que dans cette vidéo, je trouve. C'est impressionnant. À noter les armures du coup des chevaliers, on va dire, de l'église de la lumière. Ça fait pas trop Néphalem, je trouve. C'est aussi ce qui me fait dire que ce serait plutôt la guerre du péché, parce que les armures Néphalem sont assez atypiques, mine de rien, avec beaucoup de visages. Diablo Immortal nous l'a remontré aussi, beaucoup de visages sur les épaules. C'est d'ailleurs pour ça que l'armure d'Inarius est très intéressante, puisqu'elle ressemble beaucoup plus aux armures Néphalem. Là, on est plus sur des armures assez brutes, vraiment chevaliers classiques, qui sont pas trop les armures des Néphalem, je trouve. Et ce plan est exceptionnel aussi, je trouve. Parce que c'est souvent un truc qui est très difficile quand tu représentes un fantassin. Je trouve que ne pas voir les yeux, c'est absolument génialissime d'un point de vue classe. Mais d'un autre côté, il faut rappeler que c'est un humain. Donc si tu vois pas les traits du visage en dessous, eh bien on peut se dire, mais c'est pas un humain, etc. Il faut humaniser le personnage. Là, ce plan-là, il te montre qu'il y a un nez, il te montre pas les yeux. Du coup, tu gardes le badass, tu gardes le côté percutant, le côté superbe. Et d'un autre côté, tu rappelles que ce sont des humains et des humains qui suivent la lumière. Et ça, c'est magnifique. Vraiment, l'imagerie est somptueuse. Avec tous les effets de particules pour nous montrer quand même qu'on n'est pas dans un endroit. Et là, les lances. Ce plan aussi, il y a un gros côté. Je veux dire, la dernière fois qu'on a vu une grande armée bien alignée comme ça qui suivait un dirigeant, c'était Lord of Destruction. La vidéo, la cinématique d'intro de Lord of Destruction, donc de Diablo 2, l'extension de Diablo 2, avec, vous savez, les armées qui arrivent devant le siège d'Arrogas et Baal ensuite qui fait son petit numéro. On a un peu le même délire, sauf que là, c'est vraiment la lumière cette fois, l'humanité de représenter et Inarius qui éblouit absolument tout dans ce monde de ténèbres et qui est la lumière. On comprend du coup pourquoi l'humanité divinise un tel être. Je veux dire, quand on parle de l'église de lumière, etc., c'est bien beau tout ça, mais là. Et que les premiers Néphalèmes potentiellement vouent un culte aussi pour Inari. Enfin, vous voyez là, les épaulettes avec les visages que j'évoquais. Mais du coup, soit c'est l'église de la lumière, soit de toute façon c'est les premiers Néphalèmes, que dans tous les cas ils vouent un culte à Inarius. Qui représente la lumière elle-même, c'est pas spécialement déconnant. J'aime beaucoup aussi le fait que, du coup, il apporte la lumière avec lui. Il est la lumière, mais il apporte aussi la lumière. Et qu'on voit quelle armée, enfin, cette armée, elle affronte quoi? Elle affronte les démons qu'on ne voit pas depuis le début de la cinématique. Et là, il y a un peu de lave qui illumine, du coup, ce qui se tapit dans l'ombre, en fait, hein, des démons.
Alors ça, je pense que pour certains, ça détruit les oreilles, parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal avec ça. Mais le côté cristallin, le côté, ce côté, ouais, ce côté cristallin, eh bien, c'est quelque chose qui est très présent chez les anges. Hein. N'oublions pas les portes ces portes de diamants, etc. L'arche de lumière, l'arche d'argent, etc. C'est vraiment. Donc, en gros, le côté cristallin pour amener la lumière est vraiment intéressant. Et même à très longue distance, les démons qui ne peuvent pas. Encore une fois, on vous rappelle le principe de l'éternel conflit, les ténèbres contre la lumière, et ça n'a jamais été aussi bien montré que maintenant, la lumière qui de loin les bloque. Alors, ces démons, normalement, bon, ça peut être des démons classiques, mais normalement, ces démons, c'est pas n'importe quoi, c'est des déchus. Ce qui nous indique aussi. Alors, on n'a pas le repère temporel, mais les déchus, c'est assez particulier. C'est des démons qui sont de basse consistance, alors qu'à une époque, c'était des démons assez violents, genre Balrog, un petit peu, ou Buveur de sang, pour ceux qui connaissent qui ont les références Cerzano ou Warhammer. Mais ils ont été, justement, déchus, c'est ça, d'où leur nom. Donc, c'est des petits démons maintenant. Et c'est devenu un peu de la merde, c'est un peu devenu de la piétaille. Nous combattrons au nom de sa sainteté. Donc la sainteté qui est évidemment Inarius, évidemment. Et ce que j'aime beaucoup avec ce plan aussi, ça nous montre complètement, avec le rappel, aucun plan n'est fait à la légère. Là, je veux dire, il n'y a aucun plan qui est fait, qui est inutile. Aucun plan. Non. Parce que là, elle parle, elle rappelle, et surtout. Elle exhorte les troupes à rentrer en guerre, et là ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit en fait encore une fois, on voyait l'opposition lumière-ténèbres, et on voit une autre opposition, c'est ordre-désordre, ordre-chaos, puisque vous avez du coup l'humanité représentant la lumière ici, qui sont bien ordonnées, bien ré en régiment, un ordre, une discipline militaire et martiale absolument parfaite, alors que du côté démoniaque, Au nom c'est de la sa poire à la saucisse. Hein. sainteté. Du côté démoniaque, c'est la foire à la saucisse, c'est une foule qui attaque de manière désordonnée. Et ce plan est incroyable. Alors, est-ce que c'est un endroit spécifique aux enfers? Les enfers, c'est très grand, on n'a pas tout vu. Ce que j'aime bien, c'est de. Il y a quelque chose qui est assez intéressant. En enfer, il y a souvent, on a souvent vu des espèces d'énormes formes qui ressemblent à des humains et qui implorent, qui sont torturés ou quoi que ce soit. Et donc là, on a, bon, bien sûr, une espèce de pont de lave. Bon, il y a de la lave, ça nous montre les enfers. Ça nous montre également aussi l'immense armée de démons qui débarque aussi. Mais d'un autre côté, il y a cette petite main qui du coup se retrouve entre les démons et les anges. Et cette thématique est tellement symbolique que je ne peux m'empêcher d'imaginer, enfin, d'imaginer que cette main représente un peu l'humanité et que le destin de l'humanité se joue entre l'affrontement de ces deux forces. Béni soit la lumière. Encore une fois, même le texte nous rappelle par rapport à l'image. Béni soit la lumière, bien sûr, là, en juste en mode béni soit la lumière, Inarius, tout ça, mais la lumière qui arrive à ce moment-là, puisque bah, il commence à y avoir des frappes aussi de la part des démons, et du coup le jeu de lumière, encore une fois. Et ce qui est très intéressant, parce que je suis parvenu sur le côté, donc ce personnage qui est celui qui va nous montrer un petit peu, nous mettre un visage humain sur ce qui se passe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, on se dit que c'est un sectateur, on se dit que c'est un sectateur démoniaque, d'où l'absence de douleur. Et en fait, maintenant, à ce moment-là, on comprend ce que c'est. On comprend que c'est juste une fanatique, une zélée, un dévot qui enfin, nous montre que justement, au contraire, elle n'a aucun doute. Je rappelle quand même que là, les humains sont en plein milieu des enfers. Ils devraient paniquer, ils devraient avoir ils devraient Au avoir du nom de problème. sa sainteté. Mais leur combat est juste, donc pas de problème. Et ça c'est aussi un des trucs, hein. L'église de la lumière, ça donne l'impression que c'est positif et tout. L'église de la lumière, c'est des sacrés fanatiques aussi, hein. C'est des grands tarés, hein. Donc le fait de montrer justement un côté complètement zélé comme ça me rappelle un peu du Warhammer 40 000 au niveau des prêtres, au niveau des soldats. Là, je veux dire, vous avez un format où vous remplacez par des Space Marines, et là c'est le. L'ordonnateur, on va dire, ce serait pas l'inquisitrice, ce serait pas du tout déconnant, quoi. Ils sont complètement tarés, ils ne reculeront devant rien, et ça se voit. Et elle est tellement tarée que je m'attendais, en fait, comme elle se retourne, je m'attendais, bon, bah, à ce qu'elle rentre dans les rangs, hein, pour se protéger, tout ça, tout ça. Et ben non, on continue sur le côté zélé, avec une imagerie incroyable. Elle s'agenouille et est prise. Plein milieu de la bataille.
Et pas de problème, parce que la discipline, le côté martial de l'ordre, justement, l'ordre face au désordre, et bien l'ordre qui sera le rempart. Et on voit, en plus, on nous montre, alors d'un point de vue cinématographique, moi qui aime beaucoup les films de guerre, etc., je trouve ça incroyable. Un mur de bouclier, ça marchera toujours sur moi. Les phalanges, la phalange qui est vraiment le symbole de l'ordre et de la bataille classique, hein, la bataille rangée. Les boucliers bien en ordre pour éviter de se faire tirer dessus façon tortue. T'as son légion grecque ou légion romaine, surtout là, avec les grands boucliers, mais les phalanges, c'est beaucoup plus grec dans l'idée. Avec, du coup, ces doubles lances, ces lances longues, nous montrer justement cet ordre, ce mécanisme presque. Là, on nous montre presque un mécanisme humain en fait, hein, où vous voyez tout, et ensuite, on ne voit même plus l'humain, on voit la lance, le gros plan sur la lance. C'est pour nous montrer à quel point c'est ordonné en fait. Là, regardez, vous avez un mécanisme dans la machine humaine qui tourne en fait. Encore une fois, ce côté, c'est vraiment cette différence ordre-désordre, le désordre qui s'empale sur l'ordre. Et ce que j'adore, ça aussi, ce plan, il est extrêmement important. On vient de nous montrer de nouveau hostilité, ordre-désordre, petite catapulte qui tire et qui met un peu de lumière aussi, parce que sinon, bah, tout est noir. Et du coup, on revoit encore une fois le côté aussi un peu cosmique, hein, bien entendu, de Diablo, avec un archange, enfin l'ange Inarius, qui semble être réaffirmé dans son statut d'archange, qui est au-dessus de la mêlée, qui apporte la lumière, certes, mais il est au-dessus. Il est complètement divinisé, hein, sa sainteté, tout ça, tout ça. Et on le voit aussi, en fait, c'est pas juste des mots, on le voit aussi sur les plans. Il est au-dessus, il est complètement, il est au-dessus de la mêlée. Et pendant que les pions, on va dire, bougent, eh bien, parce que Inarius Lid, ça a toujours été un petit peu un combat d'échecs entre les blancs et les noirs, et le fait qu'au départ ils ont accepté de jouer ensemble, contrairement à tous les autres, mais le fait que derrière l'humanité n'est que ne sont que des pions dans leur jeu. Là, on a vraiment le côté les pions qui vont jouer. Aussi, c'est la bataille. Une bataille, c'est aussi comme ça, hein. Chacun va faire son rôle. Et Narius, il est là pour péter. Il va intervenir à partir du moment où il voit Lilith, parce que Lilith, c'est aussi un personnage extrêmement puissant. Mais Lilith, ce qui est intéressant et ce qui rappelle aussi beaucoup la période de la guerre du péché, pourquoi c'est mon contexte, je pense, ici, c'est que, eh bien, la guerre du péché, Lilith, elle est en sous-marin. C'est pas elle qui contrôle la Triune, en opposition directe avec les anges, enfin avec l'Église de la Lumière. Elle est la troisième force qui manœuvre en sous-marin, en fait. Ce qui expliquerait pourquoi c'est pas des Néphalèmes, par exemple, qui combattent à côté d'elle. Parce que là, si c'était des humains qui combattaient à côté d'elle, on aurait plus vu, du coup, une situation un petit peu à vraiment le premier bannissement de Lilith, où Lilith a, on va dire, encore des partenaires, je dirais. Là, on a vraiment, elle utilise des déchus, donc vraiment des démons. Et encore une fois, elle se terre. Voilà, et le jeu de lumière par rapport à l'artillerie des démoniaques pour voir justement Lilith, elle se terre, elle se cache dans les ombres. Ce qui va faire bouger Inarius, donc le roi qui veut prendre la reine, hein, globalement, c'est toujours un peu délicat, mais les forces cosmiques qui vont rentrer en frappe. Ce qui m'explique, ce qui d'un côté on pourrait se dire le fait que ce soit tellement bien rodé, c'est parce que justement c'est une armée de Néphalem. Ça pourrait marcher, bien sûr, ça pourrait tout à fait marcher. Mais justement, ce genre de plan me ferait dire que c'est plutôt des humains normaux en fait, qui sont juste très bien ordonnés et qui, par leur fanatisme, font le taf. Parce que justement, un Néphalem sur le papier, il est à égale puissance d'Inarius et Lilith, globalement. Voire même Inarius, ce qu'il craint, c'est que les Néphalem le dépassent. Pour moi, ce plan aussi rappellerait plus qu'on est sur le deuxième bannissement de Lilith, à savoir celui qui va péter à la fin, enfin qui va péter dans Diablo 4, quoi. Le bannissement qu'on voit dans la première cinématique de Lilith, la fin du premier, la fin du bannissement, c'est la fin du deuxième bannissement en fait, hein. Encore une fois, le plan où on voit Inarius qui fonce, le jaune sur rouge, etc. La différence de lumière, de colorimétrie. Et nous, on est d'un point de vue mortel. Là, on regarde Inarius d'un point de vue mortel. Et donc, ce personnage nous permet de voir à travers ses yeux. Et bon, elle est en pleine adoration, bien sûr, parce que c'est l'être divin. Et ça, ce plan aussi, il est incroyable. Parce qu'on aurait pu avoir des bastons de folie, tout ça, tout ça. Je me rappelle que le combat Sylvanas-Bolvar avait pas mal fait grincer des dents. Parce que, oh là là, Sylvanas détruit Bolvar en 2 secondes. Et il faut bien comprendre que ces cinématiques-là, elles mettent des années à produire. Et c'est des millions d'euros. Ou de dollars, donc d'investis. Donc c'est
tu ne peux pas faire des combats de folie, etc. Et donc, d'un côté, c'est du maquillage, parce qu'ils peuvent pas faire un combat de 17 ans, ça demande aussi de réanimer un peu Inarius pour qu'il mette des grands coups, etc. Donc ça coûtera encore plus d'argent. Donc il faut trouver un moyen pour que instantanément il en impose, pour montrer qu'il est super puissant, Inarius. Et je trouve que ce qu'ils ont fait, à la base, c'est juste du maquillage, et c'est trop bien, c'est juste trop bien. Parce que ça marche de fou, ça marche de fou. Inarius qui arrive, c'est les ailes des anges qui sont dans Diablo sont très très particulières, avec ces espèces de lanières de lumière pure, et les quatre qui s'enfoncent dans le sol, et il éblouit tellement que les démons ne l'approchent même pas, ils n'arrivent pas à s'approcher de lui. Pour vous montrer à quel point il est puissant et à quel point il est badass, quoi. Et même, c'est ça aussi que ce plan, je l'adore, parce que la musique s'accélère, bien sûr, mais aussi le sol des enfers, les enfers eux-mêmes ne peuvent pas se tenir face à sa lumière. C'est juste. C'est de la poésie quoi. À ce niveau-là, c'est de la poésie tellement c'est beau. Et au passage, donc encore une fois, là c'est probablement le plus gros, le grand angle qu'on a sur Inarius où on voit vraiment l'armure qui fait très très Néphalem. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'on n'est pas. Enfin, encore une fois, les deux contextes sont encore possibles. Les deux premiers contextes que j'ai évoqués sont encore possibles. Mais là, pour moi, là on voit vraiment une armure Néphalem quoi. Je rappelle encore une fois, c'est le père de l'humanité. Et quand il voit. Et j'aime beaucoup aussi ce regard parce que Lilith ne parle pas. Lilith ne parle pas. Lilith ne parle toujours pas. Et pourtant, elle en impose tellement en termes de charisme. Et elle a une tête. On sait pas. On sait, inexpressive. Inexpressive complet. Et enfin, inexpressive ou un petit peu expressive. Parce qu'on pourrait même se dire, mais en fait, elle a l'air triste. En fait, elle a l'air triste sur ce plan. C'est pas quelque chose qui l'enchante, en fait. On a l'impression que c'est ça. On a l'impression que c'est ça. Peut-être que c'est pas le cas. On verra avec Diablo 4. Mais ce conflit entre Inarius et Lilith, faut pas l'oublier. C'est deux personnages qui s'aiment à la base. Bon, pour Lilith, c'est toujours un petit peu vague. Il y a de l'amour, mais il y a aussi beaucoup d'intérêt. Inarius, lui, c'était de l'amour. Donc là, en gros, c'est l'amant qui se venge un petit peu, hein, on va dire, puisqu'il a été trompé par Lilith, hein, globalement. Alors quand je dis trompé, c'est pas trompé. Elle a été couchée ailleurs. Lilith l'a menti et a cassé un petit peu leur union. Et du coup, bah, Inarius, il est pas content. Donc en gros, c'est l'amour. C'est Roméo qui est pas content que Juliette les trahit, quoi. Donc il y a vraiment un côté tragédie. Et du coup, c'est vrai que voir la tête de Lilith qui est pas forcément en mode je suis méchante et je souris et tout, presque plutôt mélancolique, presque triste, c'est assez intéressant. Le lancer de. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la lance, c'est intéressant parce que. Je veux dire, les anges, le conseil d'Anguirus, les cinq archanges, ils ont tous à peu près leurs armes. Il y en a un qui a une lance, c'est Imperius. Imperius qui est plutôt la force armée, le chef des armées angéliques. Donc, c'est vrai que l'élite des anges, donc c'est vrai que mettre une lance à Inarius, sur le papier, on pourrait dire, tiens, ils auraient pu essayer de trouver quelque chose de différent, histoire de changer un petit peu, pas une épée comme Tyrell, pas des faux comme Maltel, enfin changer un petit peu. Et le fait d'avoir mis la lance, je comprends un petit peu dans l'idée, c'est qu'il représente la lance aussi des cieux, mais aussi de sa volonté, une autre lance en fait, celle de l'humanité presque. Et l'ordre, justement, la lance, le symbole de la phalange, etc., qu'on a pu voir chez les humains, donc c'est pas déconnant. Et en plus, il s'en sert comme javelot ici pour essayer de. Et là presque, en fait, j'ai envie de dire que. Peut-être que je vais trop loin, hein, peut-être que je vais trop loin, mais ça s'arrête là-dessus, ça cut là-dessus. Et du coup, est-ce que justement, c'est le symbole du bannissement de Lilith? Est-ce que c'est le premier ou le deuxième? Ça, on le verra plus tard, mais. Pour moi, ça, c'est le bannissement en fait. Et je suis revenu en enfer pour t'arrêter. Alors vous allez me dire, mais elle n'était pas en enfer dans le premier bannissement, puisqu'elle était. Ni dans le deuxième, elle n'était pas en enfer, Lilith, elle était sur Sanctuaire. En fait, ça, Lilith, elle a pas mal bougé entre les dimensions. Hein. C'est un de ses points. À la base, elle est dans les enfers. Elle va à Pandémonium, qui est une autre dimension. Ensuite, elle retourne sur Sanctuaire. Elle crée Sanctuaire. Ensuite, elle est enfermée dans le vide, donc une autre dimension, etc. Donc, elle a pas mal voyagé dans les dimensions, Lilith. Donc, encore une fois, la période de la guerre du péché est un peu plus connue que celle du début de la première génération Néphalem, mais dans les deux cas, on est sur une situation où Lilith, c'est des moments où
on sait à peu près dans les grandes lignes ce qui se passe, mais pas dans le détail. Donc, nous montrer qu'en fait, bah, c'est dans une des poches dimensionnelles, dans le boudoir de l'Hélice des Enfers, c'est pas spécialement déconnant. Petit point aussi assez ironique là-dessus, je suis revenu en enfer. Pour la fin, pour finir, pour conclure là-dessus, je suis revenu en enfer, ce qui est très rigolo parce que ça montre aussi un petit indicateur temporel. Là, c'est le truc qui pourrait dire, bah non, c'est du Diablo, c'est une cinématique qui se passe pendant Diablo 4. Personnellement, je n'y crois pas et je pense que c'est surtout de l'ironie, puisque faut pas oublier qu'à la fin de la guerre du péché, l'église de la lumière et la triune vont être détruites par notamment la troisième force, la main, Uldissian, l'humanité, tout ça, tout ça. Et ce qui est très rigolo, guerre du péché, vidéo sur la guerre du péché, et ce qui est très rigolo, c'est que du coup, eh bien, Lilith a été bannie à la suite de la guerre du péché par Inarius, et pas que lui, mais par Inarius et les Néphalèmes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, eh bien, Inarius, lui, a perdu la guerre aussi du péché. C'est Uldissian qui l'a battu, en fait. Et du coup, eh bien, en ayant transgressé tous les commandements des anges, des cieux, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a été confié par les anges à Méphisto qui voulait se venger de tout ce qu'il avait fait, notamment qu'il a découvert tout ce qui s'était passé auprès de sa fille. Et du coup, beau papa n'était pas content. Donc, il l'a enfermé dans les enfers et il est probablement en train de. Depuis la guerre du péché, Inarius est torturé dans les enfers par le seigneur de la haine. Donc, je vous laisse imaginer. Je vous laisse imaginer toutes les souffrances inimaginables qu'il peut subir. Alors bien sûr, vous allez me dire, bon, il y a peut-être plus tortionnaire que Mephisto en la présence de Duriel et d'Andariel, mais bon, quand même, Mephisto, ça doit pas rigoler, hein, ça doit pas vraiment rigoler. Donc, je suis revenu en enfer, alors que nous, ironie dramatique, on sait qu'il est coincé en enfer, et que on va probablement le libérer. On l'avait vu aussi, Inarius, dans la cinématique. Donc, bon, là, clairement, par contre, ça annonce que Inarius, je veux dire, si on en doutait encore, Inarius sera dans Diablo 4 et sera un enjeu de Diablo 4, ainsi que Lilith. Donc, c'est vachement intéressant. C'est très, 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 très intéressant. Cette cinématique est. Elle dit pas énormément de trucs et pourtant, enfin je veux dire, elle n'est pas essentielle pour comprendre toute l'histoire de Diablo. Au contraire, elle pose plus de questions. Mais l'imagerie, l'action, la musique, les plans, la photographie, là franchement, j'ai pas peur de dire les choses. Enfin, comme la première cinématique de Diablo 4, les deux cinématiques sont des chefs-d'œuvre. Vraiment, sont des chefs-d'œuvre. C'est superbe, c'est sublime, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Maintenant, vu la qualité des plans, etc., il n'y en aura pas des milliers, mais oh là 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 là, on en veut toujours plus, quoi. On en veut plus. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien aussi, qu'est-ce que c'est bien retranscrit. Et juste, oui, c'est vrai que j'avais oublié ce point-là, je suis en train d'y repenser. Le fait de voir encore une fois une bataille rangée, c'est marrant parce que des chevaliers bien en ordre, etc., c'est pas forcément la licence Diablo, ça. Dans la licence Diablo, que ce soit Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, bien sûr, Diablo 3 a gêné pas mal de joueurs avec ce côté épique, mais au final, t'as toujours quand même une bande d'humains, on va dire, des humains, qui sont 2, 3, 4, 5, qui vont écraser des démons, des foules de démons. Ils sont en infériorité numérique face à des démons. Donc c'est une poignée de survivants qui affrontent des démons. Donc, soit c'est, on va dire, du 2 contre 10, du 5 contre 50, du 5 contre 100, du 50 000. Certains vont, le 50 000 apprécient pas trop, hein, avec Diablo 3, mais c'est ce genre de cas de figure. Et là, on a vraiment une énorme armée. Donc on est plus dans un registre. Alors, encore une fois, les batailles rangées existent dans l'univers de Diablo, mais c'est généralement une toile de fond, c'est un truc qu'on ne voit pas, qu'on ne vit pas en tant que joueur. Donc, c'est assez intéressant, c'est que là, on se croirait presque dans du Warcraft, en fait. Le jeu de stratégie en temps réel d'Heroic Fantasy, c'est Warcraft. Donc, c'est assez marrant. Et pour le coup, dans Warcraft, on n'en voit plus trop des batailles rangées. Donc, c'est assez drôle parce qu'on a vraiment l'impression de voir. Enfin, on sent que c'est du Diablo, hein, bien sûr, hein, l'imagerie, tout ça, tout ça. On sait qu'on n'est pas dans Warcraft, mais ce que je veux dire, c'est que c'est marrant parce que. C'est pas ce genre de choses qu'on vivra dans Diablo 4. Donc c'est y a un style, il y a un style un petit peu particulier, et pour représenter aussi potentiellement la guerre du péché ou la première génération, je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Encore une fois, l'ordre contre le désordre, il y a vraiment un but dans cette vidéo et ces phalanges ne servent pas à rien. Voilà, j'espère que j'ai pu dire tout ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions. S'il y a des choses que j'ai pu rater, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions aussi, dans les commentaires. Sinon, je vous invite à aller voir les autres vidéos de Diablo. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. À plus dans le Nexus. Oui, bonjour. C'est beau papa. Alors comme ça, Inarius, il est en enfer?
Je vous rappelle quand même qu'il peut pas être n'importe où en enfer, parce que sinon je vais l'attraper, moi, hein? Ah non, hein? Ça marche pas, ça! Donc bon... Il touche pas à la fifille, hein? N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux.